Hola, el señor, el señoritas. ¿Cómo estás? I speak Spanish well. Oh fuck, c'est que je m'en vais. je sais où c'est que je m'en vais, puis c'est y faire chier encore le dromadaire. Parce que ce fucker-là, il y a une troisième affaire que je peux faire avec. Puis, et voilà. Parfait. Puis, c'est lui qui détient un des fucking honeycomb piece du level. Puis des notes. Très important de venir ici. Et voilà. Bah, that's it. I'm leaving the desert to find some peace and quiet. Et on ne le reverra plus jamais du jeu. C'est ce que vous croyez. Oh my god, ce place-là. La légende du stop and swap. Je crois... Ben, premièrement, je pense que si vous regardez ce let's play-là, probablement vous savez déjà c'est quoi la légende du stop and swap, là. C'est un peu compliqué à expliquer. M'a pas le faire, I guess, là. Grosso modo, c'est que... Rare avait une idée, mais ça a floppé. Parce que la Nintendo 64 était supposée de conserver un peu de mémoire quand que je sais genre la disk drive ou whatever, mais... était supposé de conserver un peu de mémoire quand t'enlevais le jeu de la Nintendo 64. Je pense qu'il y avait comme 10 secondes de mémoire. Puis il fallait que t'alternes genre de Banjo-Kazooie à Banjo-Tooie pour... fucked up avec le stop and swap. Ça n'a pas vraiment abouti, mais dans la version Xbox... c'est un petit peu plus élaboré. Dans la version 64, vous pouvez faire absolument fuck all. Grosso modo, c'est à peu près ça l'idée. Je sais que je l'explique pas en profondeur, mais ça me tente pas vraiment de l'expliquer en profondeur parce que... c'est quoi le fucking bouton pour... pas celui-là, en tout cas. C'est quoi le bouton pour dash? Wait. Never fucking mind. Oh my god, ok. Je viens de réaliser que je peux pas finir ce level-là à 100%. Parce que y a un move que il faut que j'apprenne dans le monde d'hiver, puis que... Oh well. Too bad. Genre j'appuyais sur B comme un escaf, puis j'étais comme, pourquoi ça fonctionne pas, ma manette est brisée ou quoi? Mais finalement, je viens de réaliser, c'est parce que... j'ai pas encore toutes les moves. Fait que no matter fucking what, si tu commences avec le monde d'hiver puis tu finis avec ce monde-là, faut que tu backtrack. Puis si tu fais le contraire, si tu commences avec ce monde-là puis tu finis avec le monde d'hiver, faut que tu backtrack anyway. Fait que no matter what, man, ouais, faut que tu backtrack pour les bots, soit les bots rapides ou ben le dash de Kazooie quand il vole. Only joking, mortal, we can only give you this. Puzzles. Puzzles is good. You need besoin pour battre une grosse sorcière. Une fat witch lady. Et voilà. Good. Bon, ben on va aller apprendre un nouveau move. Parce que... ce move-là, il est fucking... oh my god. Bro, fais attention, ok. Là, c'est pas l'heure, c'est pas le temps de mourir. Surtout quand t'as collectionné comme la moitié des notes, là, quasiment. C'est ça le mouvier, là. Good. J'ai 49 notes, ouais, c'est ça. J'ai la moitié de fait, là. These are the running shoes. Je peux aller vite avec ces souliers-là. On va devenir Sonic. En même temps, c'est vrai, man, tout tu replenish ma vie. Quel bon temps de savoir rencontrer, hein. Alright. Fait que, ceci étant dit... ouh. Grab us, got a jiggy. Jukes, yeet! Oh, il fait chier, oh. Oh, il tease, c'est du tease. Yeet! je peux pas le faire pour tout de suite. Je vais le faire très bientôt. Hey, toi! What's up, man? Avant toute chose, j'ai besoin de ces bottes-là.
pour récolter une couple de puzzles. Pas de puzzles, mais des notes. Des clés de sol. C'est pas des clés de sol, mais whatever. Ou c'est peut-être des clés de sol. Je connais pas mes chars de musique. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, mais... je connais pas vraiment mes chars de musique, fait que... Allez, on sait quoi une clé de sol, ça me trigger présentement. Ah, c'est ça que je disais, man. Fuck off, je connais pas mes autres notes. Clé de sol, c'est le genre de shit que ça commence avec le char. C'est le genre le shit qui arrête pas de twister, man. Je sais, je suis extrêmement apprécié, mais au pire, je vais mettre une mâche. C'est le soup, c'est bzup, 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 man. C'est ça, la clé de sol. I'm going fucking fast, boy! Et c'est comme ça que... Well then. Et voilà. I'm going so fast. Et la Master Anne est maintenant fâchée. Pauvre Master Anne. Sixième puzzle, sur combien exactement? I don't fucking know. Sur 10, là? Quelle question fucking con, by the way? Tu sais, quand. Genre, je viens juste de trigger moi-même, genre. Oh fuck. J'ai besoin de ces souliers-là. Exactement. Ça, c'est sexy en SC. Oh fuck. Alright. Ça, c'est clutch en SC, man. Oh fuck. Si je m'en vais tout croche, la caméra est à chier. Je pense qu'avant, je vais aller récolter les notes. Parce que le time... Ok, pour vrai, ça, c'est probablement le timer le plus tight de tout le jeu. Même si ça fait genre une couple de fois que je joue à ce jeu-là, c'est tight en tabarnak. Je veux dire... Là, je suis même pas proche d'accéder au trou qui était là. C'est juste parce que j'ai perdu mon temps pis tout, là, mais... Bro, fuck off, Gruntilda. J'ai mes fast feet. The fuck are you talking about? Et voilà. Puis aussi, j'aime le fait que tu commences avec 25 secondes, mais là-dedans, il y a genre un cutscene de genre 3 ou 4 secondes que tu peux pas skip, man. Tu peux pas skip. Fait que tu viens de perdre genre 5 secondes de suite, là. Alright. Fait qu'au final, t'as pas 25 secondes, t'as 20 secondes. La tactique avec ça, man, c'est qu'il faut que tu coupes les corners. Comme ça, man. Well, là, j'ai mal fait, là, mais... Vous comprenez l'idée. Et voilà. En plus, la porte, genre, elle ferme à 1 seconde. Non, elle ferme pas à 0, là. Elle ferme à 1 seconde. Fait qu'au final, t'as pas 20 secondes, t'as genre 19 ou même peut-être 18 secondes. Well. Deuxième coup, man. C'est pas super. Tu sais quoi? Oh, non! Non! Oh my god. Bruh, peux-tu bien me laisser des chances? Oh! Oh! Oh, ok. Nice. It's time to drain the water! Drink water! Drink good water! Parlant de boire de l'eau, man. En fait, personnellement, ça c'est plus personnel, mais whatever. Ah, fier de moi, mais pour vrai, ça fait un esti de bout que j'ai pas bu de liqueur whatsoever. Je pense que ça doit faire genre 4 mois là, que j'ai genre arrêté la liqueur. La dernière fois que j'ai bu un Mountain Dew, là, avant j'étais genre, je sais pas, accro, là, mais tu sais, j'en buvais peut-être comme une fois par jour. Là. Mais ça fait genre peut-être 4-5 mois que j'ai pas bu un fucking Mountain Dew. Ça me manque pas pantoute. Puis à ça, je bois tellement d'eau aussi que j'ai bu tout le site d'océan Pacifique. Mais. Fait que, give me all that damn sweet notes. Puis en bas là, il y a un Jinjo, yeah. Y a-tu des notes en même temps en bas là ou... yeah, sure. Y a des notes. Wait. Wait a goddamn minute! Je pense que je me suis fait baiser. Je pense qu'il y a des notes dans la pyramide que je ne peux pas ouvrir parce que j'ai pas appris le Christy de move dans le monde d'hiver. Fait qu'à cause de ça, il faudra que je recollectionne toutes les notes! Genre, attends, wait. Parce que présentement, je peux pas aller dans cette pyramide qui est là. S'il y a des notes dans cette pyramide-là,
I'm fucked. Je crois qu'il y a un Jinjo là-dedans. Y a-tu des notes? Me semble que oui. Oh non! Fuck. Bon ben, il faudra que je refasse ce level-là anyway. Well then. Que je meure, whatever, on s'en calisse. Parce que... je peux pas tout faire. Well, finalement, j'aurais dû commencer par le monde d'hiver. It's my fucking problem, mate. J'aurais dû évaluer c'était quoi mes risques. Avant toute chose, mais... whatever. No big game. Anyway, ce jeu-là, il est... pas mal assez simpliste, là, fait que... bon. Puis de toute manière, tout va être fait, fait que comme l'eau ici, ça, c'est permanent, là. Donc, oh, goddamn, je pensais pas que ça allait rentrer dans sa bouche. Ça, mange des omelettes, man. C'est bon pour la santé. Pensant là, si minois, je suis en train de faire pousser la pyramide. Le truc qui m'a causé la chienne ever pendant que je suis enfant. Là. Pour vrai, là, à ce stade-ci du jeu, là, c'est ça qui a arrêté mon plaisir avec Banjo-Kazooie quand j'avais 8 ans. Genre, j'ai fait pousser cette pyramide-là. Oh boy, it was a fucking mistake. Cette pyramide-là, elle faisait peur en tabarnak quand j'avais 8 ans. Puis après ça, j'ai plus jamais rejoué au jeu, puis je suis revenu un petit peu plus tard dans ma vie pour refinir Banjo-Kazooie. Et voilà. Je pense que la dernière affaire qu'il me reste à faire dans ce level-là, malheureusement, je ne peux pas rentrer là, comme je vous dis. Whatever. Puis aussi, j'ai pas récolté la deuxième piece du honeycomb, mais on va faire ça tantôt. This is King Sandy Butt's tomb. Turn back or face is rat. Why fuck cette place-là, by the way? Encore une fois, c'est juste à cause de la musique, hein. Yep. Ça, là, c'est la... Si l'anxiété pouvait avoir un theme song, c'est ce theme song-là, man. Premièrement, il faut que je trouve la Grand Tilda Switch chez Jean ici. Parfait. Pire place pour mettre la Grand Tilda Switch, by the way. Hey, mais c'est le puzzle. Hey, j'ai une impression de déjà vu. Est-ce que ça se peut que j'ai déjà récolté ce puzzle-là? Est-ce que ça donne là, man? Elle va fucking vite pour rien. Et voilà. C'est fait. No, the bear survived. Well then. Il me manque. Hey, le dernier Jinjo, je suis là, justement. Cool. J'ai combien de puzzles là? 8. Il m'en manque 2 pareils. Wait, what? Well, le. Ok, le 9e est là. Wow. J'ai priorité à la bonne place. Le 10e, je peux aller le ramasser. Les 8 dernières notes, je pense pas non plus là. Malheureusement, à moins que les dernières notes ce soit dans le labyrinthe. Si je veux, si je peux, je peux retourner dans le labyrinthe, aucun fucking problème, mais le timer fait juste recommencer. je ne pense pas que les 8 dernières notes sont là. M'a checké, whatever, man. Non, il y a juste des Golden Feathers. Ok. Mais, fait que c'est ça, man. Les 8 dernières notes qui me manquent, c'est vraiment de dans la place que je peux pas aller. Ça me fait chier, mais whatever. Alright. Hey, on re-trigger-tu encore la musique stressante? Oh my god. Non, pour vrai, fuck cette place-là. Juste à cause de la fucking musique que ce jeu-là me faisait peur. Ok, il manque le deuxième piece du honeycomb que je peux aller chercher. Ça m'a offert. Mais il me faut une place où c'est que je peux glider. Glide to victory. Puis, quelle bonne place pour glider en allant sur le Sphinx.
Et voilà. No fucking problem, oh mi amigos. Pis je sais pas, by the way, si ça va être chiant à récolter ce piece d'une combe là sans le dash, justement. On va essayer. Je me souviens plus non plus, elle est où la. Le genre de cactus là. Je pense qu'il est là. Ouais, il est là. Ok, good. Render the Sun, c'est à chier. Mais c'est un jeu de Nintendo 64. What the fuck did you expect? Alright, steady. Steady. Ouais, finalement, ça fait ça dans tabarnak. Sure. Et malheureusement, je ne peux plus rien faire ici. Boo fucking who? Well, I'm out of here. Ça va me faire cher en essai, hein, pour vrai, si jamais je reviens dans ce level-là, puis je réalise que finalement il n'y avait pas de note dans la place, c'est que la pyramide que je peux pas ouvrir. Là. Non, d'après moi, c'est là qu'ils sont les 8 notes, là, fait que. Pas le choix, man. Ciao, bye. Wow, your best net score for this world is now 92. Merci de me rappeler que je suis un fucking failure, man. Tu fais chier, bol. Et voilà. Puis maintenant, c'est l'heure de ramasser ce puzzle-là. The intended way. Est-ce que je peux le faire juste avec un long jump comme ça? Non. The coolest way. Il faut vraiment que j'attende le. Oh shit, que je vois fuck all. Et. Oh my god! Bro, peux-tu fucking crever, man? Alright. Parfait. Oh fuck! Tu sais quoi? M'a vous montrer qu'est-ce qui arrive là quand que. Eh voilà, toi tu fucking meurs, tabarnak, tu me gosses! M'a vous montrer qu'est-ce qui arrive quand que je fais le glitch par-dessus la tombe, maintenant que la tombe est ouverte là. Genre. C'est parce que le bec de Kazooie passe au travers de la tombe un peu, puis c'est assez pour que le hitbox touche à la note de musique. Pas la note, mais le puzzle. C'est juste ce qui arrive. Fait que, that's that, man. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je peux explorer un peu Gruntilda's Lair, ou sinon, je peux aller dans le monde d'hiver. Puis c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Why the fuck not? Y'a-tu quelque chose déjà tout en haut de ça? Je m'en souviens plus. Well, je sais qu'il y a une couple d'affaires là, mais je peux-tu y accéder tout de suite? Je pourrais le faire tout de suite, mais ça servirait à rien présentement. Pis ça, well, c'est juste pour une couple cop. Nice. Cool, cool and good. Prizzy Peak, here I come. Dans ce level-là, on va retrouver le pire père de famille ever. Je vais vous expliquer ça éventuellement, là, mais tabarnak. The peak got another new move waiting for you if you can find it. Ouais. Sherman, ça aurait été le fun de le savoir, de connaître ce move-là bien avant, mais it's too late to apologize. Anyway, je suis toujours au max, right? Non, il m'en manque un. Hey, hey, hey. Sure, don't mind it. Oh my god. Ouais, fais chier, man. Bon, ok, voilà pourquoi. De quoi je vous parlais avec le père de famille pis tout. Ces enfants-là sont attristés. Ils sont fucking fâchés, tristes. Ils demandent, tu que leur père est. Quand leur père est mort, leur père sont partis chercher leur cadeau de Noël. Mais où est son papa? Son père, là, il est juste crissement hungover. Il a fait le party all night. Assis, il est sous comme le calice, puis il est là. Ah, ben, il est cave, man. Il a juste mangé un morceau de puzzle. Tu sais, genre les chocolats. Les chocolats, genre pièces de monnaie. Genre les chocolats, une pièce. Lui aussi, il pensait que c'était ça, man. Mais au lieu que c'est du chocolat, c'est lui, il a mangé du pur fucking gold. Probablement la deuxième meilleure tune du jeu. Hey, give me that. Cette tune est crissement sexy. Après la tune de Rusty Bucket Bay, là.
I fucking like and I enjoy. By the way, aussi, en ce moment, il y a des fucking bonhommes de neige qui me pitchent des balles de neige. N'estimez pas leur visu. Ils savent crissement bien viser. C'est pas une joke. Ils prennent en considération où c'est que tu t'en vas. Well, lui par contre, il a crissement mal visé, là, mais whatever. Par là, il y a. Well, il y a ça ici. Sure. Puis en même temps, il y a le nouveau move qui m'attend proche du site. Oh my god, c'est ça que je vous disais, man. Ils savent crissement bien viser, les tabarnak. Prenez pas ces dudes-là à la légère, man. Hey yo, what's up, ball? Time for a real action with my devastating big bomb attack. Tu sais même pas voler, ball. De quoi tu parles, calice? Anyway, comment c'est tout? Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui serait plus au courant de ce move-là, ce serait bien Kazooie, tabarnak. Mais non, si Kazooie doit se faire apprendre par un nobody qui sait même pas voler. Well played, Banjo. You now learn all the moves in the game. Now I'm free to do anything I want. Oh yeah. Une dernière fois qu'on va faire ça ici. It's a pretty good. Et voilà. Where the Twinklies protect us from the Twinkly Muncher. Yeah, yeah. Ah, c'est ça. Quand même, vos yeux, man, je suis là pour vous protéger. Ah, ouais. Ben oui, cette mission-là est un peu whack. Parce que des fois. Oh my god. Ok, tu sais quoi, on va recommencer ça. Alright. Et voilà. Et voilà, la hitbox de ces dudes-là est un peu bizarre. Oh, dude. Oh my god! Oh, j'aime pas la hitbox de ces dudes-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit comme quoi que cette mission-là peut être un peu whack, là. Fuck you! Laisse mes amis tranquilles. Et voilà. Oh, dude. Tu niaises, man. Ah, c'est ça. Faisant deux de la shot, là. Fuck you! Voilà, il va en rester deux, man. Et voilà. Puis ça devrait être fini. Moi, je fais plus rien, man. Ouais, ça. Ah oui, bouffez-les, man. Bouffez-les, c'est comme une bouffée chinoise, tabarnak. Et voilà. Sure. Je vais faire ça tout de suite. Cette mission-là, c'est probablement une des plus longues missions du jeu. C'est qu'il y a comme beaucoup d'affaires à faire avant d'avoir ton puzzle, enfin. Dans Banjo-Kazooie, pas dans Banjo-Tooie, tabarnak. Dans Banjo-Tooie, il y a des missions qui sont 10 millions de fois plus longues que ça. Et voilà. Ok. Maintenant, comment peser une Switch avec des omelettes, of course. Ok, bon là, il faut que je me dépêche en crise. J'ai 60 seconds to spare. Let's go. Il y avait un truc de flying là, right? Ça semble que ouais. Ouais. Ah, dude! C'est pas le temps de fucked up! C'est le level glisse. Guys, de la neige à glisse, man! De la neige à fucking glisse! Alright. Comme ça. Ouh! Ça a dû faire mal. Et voilà. Deuxième fois. Il faut juste que je fasse ça une troisième le fois. Et voilà! Et le puzzle est enfin unlock! Ce qui va être le dernier puzzle de la vidéo. On a dit du let's play. Yo, je suis comme yo, le let's play est fini, man. Ciao, bye, guys! Dernier épisode, c'est aujourd'hui. Fuck Tooty, man, je la sauve jamais. Hey, donne-moi ça. Yeah. Ici, il y a une couple d'affaires que je peux faire. Probablement, il y a ça ici que ça va venir important dans le prochain épisode, là, mais. Give me to someone sad. Oh, je sais qui est triste. Le père qui a bouffé un puzzle. Lui, il est triste en tabarnak. Des notes. Cette bio, il y a plein de notes, fait que. Don't miss this opportunity for good notes.
Et voilà. Puis le reste, c'est juste de la junk ass shit. Plus ou moins importante. Important si jamais il t'en manque, mais... Oh. Red feathers. Oeuf. Il manque un peu d'œuf, il manque pas vraiment de red feathers, mais whatever. Ah, je vais en prendre un couple. Et voilà. Et le plus important, fall. That sweet ass puzzle de 32 carats que je peux vendre sur eBay. And I'm... Wow. And I'm... Fuck, I'm out. Tough here. Hey guys. Sur ce, c'était Historio Jutra. Et puis à la prochaine épisode. Do you want to build a snowman? Do you want to build a fucking huge ass snowman?